Ouais, QSL Stéphane, 73, 59, 9 plus 10 pour toi également là. 73, bien content de t'écouter, tu vois, j'ai envoyé un petit message tout à l'heure comme quoi je t'entendais pas. C'est monté d'un seul coup, c'est redescendu aussi sec, et puis là ça fait 10 minutes que je te prends là, 59. Je sais pas combien de temps ça va tenir, mais bien content de t'écouter et de pouvoir te saluer autre que via le clavier. Voilà, 76D01, 14D55 à l'écoute. Ouais, QSL Stéphane avec le 100%. On peut pas être à la ferme et au moulin, hein. On peut pas être distrait via la phonie et user les stylos là, chi. Voilà, en même temps, ça repose un petit peu le poignet. Il faut faire les deux et il faut alterner. Pour ma part, là, je suis à l'intérieur du QRA parce que vu la météo du jour, c'est une catastrophe. On a eu vraiment beaucoup beaucoup de précipitations là depuis ce matin. Ça se calme un petit peu là depuis une bonne heure. Mais ça a été pourri pratiquement toute la journée, hein. Donc finalement, tu vois, je me suis mis à jour dans le courrier. Moi déjà, j'avais pas trop de retard. Donc je suis à jour dans le courrier et je peux me permettre de faire un petit peu de phonie avant de QRT parce que je vais me sauver du QRA là. Voilà, donc oui, effectivement, on s'entend pratiquement tous les jours et c'est tant mieux. Je te confirme là et je te tiendrai au courant pour 021. Voir si ses parents ont déménagé ou non, et puis je ferai le courrier également là, voir s'il y a toujours quelque chose. Et je vais me renseigner là sur la poste par là, j'ai quelques connaissances. Hachi, voilà, je te retourne au micro, Stéphane, 76D01 14D055. Ok Steph, 01 055. Effectivement, de ce point de vue-là, s'il faut dupliquer les enveloppes à chaque fois, t'as pas fini, mon pauvre gars. J'ai vu que t'avais de la main-d'œuvre en renfort là. Il y a les DQR pépettes qui sont prêtes à t'aider et à user de l'encre. Donc, c'est bon, il faut se soutenir mutuellement là dans la famille, Yashi. Oui, forcément, en plus, c'est quand même des QTH qui sont assez prisés. Surtout la 300, c'est pas un QTH qu'on entend souvent. Pour ce qui est de la 76, il y a quelques OM qui sont actifs, mais c'est pareil, tout le monde n'est pas super actif comme toi. On n'entend pas la 76 tous les jours. Toi, en ce moment, on t'entend tous les jours, donc forcément, ça multiplie un petit peu. Et puis, bah ouais, ça arrivera, hein, tu sais, il y a des courriers qu'on attend pendant 8-10 mois. Donc, je pense pas que tu arrives à ces échéances-là. Tu arriveras à faire le retour bien avant, te connaissant, tu vas te motiver et puis ça se fera
Ça se fera en allant et voilà, de toute façon, il faut être patient. Et puis, bah, je pense qu'il y a des OM que tu vas recontacter d'ici là, qui lorsqu'ils auront reçu le courrier, seront satisfaits et te remercieront, hein. Ok, Steph, sinon, bah, ici, RAS, hein, depuis les mails, je t'ai fait le petit montage rapidos, là, tu verras, quand tu te seras mis à jour dans les courriers, c'est tout simple, hein, via YouTube, de faire des montages, avec des petites mises en scène sympas, et si c'est pour autre chose que de la radio, tu peux également mettre un fond musical. Donc, ça peut être aussi une autre façon. Voilà, bah, je suis en train d'enregistrer là et je suis en train de voir aussi que je vais pas tarder à saturer sur la carte. J'ai pas eu le temps de vider la carte mémoire, je suis pas sur la webcam. J'ai pas eu le temps de vider la carte mémoire avant de filmer la conversation et je vais mettre ça en ligne après, je te passerai le lien. Je te retourne le micro, Steph, j'espère que ça passe toujours. Il y avait un tout petit peu de fading là, sur le dernier passage. 76 ED01, 14 ED55. Ouais, ok. Ok, Stéphane, je crois qu'il y a quelqu'un derrière du Nord de France qui appelle en ta direction. J'ai pris ça en rétro, alors c'est assez QRP, hein. Ok, Stéphane, bah, pas de soucis pour tout ça. Et puis, ça sera peut-être pas fini à la fin d'année non plus, hein.